do not fail us in this task. On te filait de l'argent, bien sûr. J'ai que ça à faire. Giant shockwave has rippled phase space. Our ships have left phase space. Une planète désertique, pas trop défendue. Ça va. Même des vaisseaux qui gagnent du level. Sympa. Bon. Oh, il y a même une planète terrestre. Yes. Il y a tout ce qu'il faut en somme. On peut même mettre des Starbase de temps en temps. Ça devrait aider. Ok, je prends toujours mal que Kessel 1, que Kessel 2 soit aux mains de l'ennemi. Enfin, du futur ennemi, devrais-je plutôt dire. Oups. J'aime voir mes vaisseaux faire un carton. C'est le labo d'armement. C'est quoi qu'il me propose? Une alliance commerciale, pourquoi pas. De 100 cristaux. La cité éternelle est en train de se foutre sur la gueule avec quelqu'un d'autre. C'est une bonne chose. Mais c'est pas le plus important. Je dois coloniser tous ces mondes. Même si j'y fais rien pour l'instant. Je dois juste les coloniser. Enfin, ils vont me coûter beaucoup d'argent à terme. Mais si je me développe assez vite, je devrais pouvoir compenser ça. Voilà. Déjà, on va pouvoir finir les recherches militaires. Je parle de l'ingénierie atomique. Planet lockdown complete. Speak. Insufficient credits. Scouts have discovered a colonizable planet. What shall we create? Ah, une planète de plus pour moi. Il y a une Terran là-bas, elle sera pour moi aussi. Tiens, Odessa. La cité éternelle. Ah, il y avait une deuxième amélioration. Je vais pouvoir booster la protection de mes vaisseaux. Et de mes structures d'ailleurs. A giant shockwave has rippled phase space.
research finished. Reconnaissance reveals that a pirate raid is forming. Ah, ça c'est salaud. Ou en plus ils sont devenus balèzes. Ouais. Scouts have discovered a colonizable planet. Dans un gros moment de stress. gros moment de stress là quand même. Certains vont me dire que je suis un salaud de l'avoir mis sur un allié. J'ai envie de dire, c'est un futur ennemi. Point barre. À partir de là, le sujet est clos. Salaud. Ah non, 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 j'ai lutté jusqu'au bout. Shockwave has rippled phase space. Pirate raiders have left their base. Oh merde. Ça va être pour ma gueule. Allez. J'ai cramé toutes mes ressources, moi, comme ça. Your plans, as you command. Research finished. Scouts have discovered a colonizable planet. Ah. A giant shockwave has rippled phase space. Wow, j'ai développé le colony pod. Plus sur cette planète. Oh là là. Ils sont devenus très forts en plus, ces cons. Mais bon, j'ai eu le temps de la fortifier, cette planète, du coup... Elle envoie le pâté. Et du coup, je me suis rendu compte, surtout que j'ai très largement dépassé le temps de cette vidéo. Bon. Je l'ai très très largement dépassé, du coup... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Oui, bien sûr. L'habitude de mettre vite comme nom de sauvegarde. Merci d'avoir regardé cette première session de Sins of a Solar Empire Rebellion. Si vous avez aimé, mettez j'aime sur la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez je n'aime pas. En tout cas, épisode, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Facebook, Twitter et Google+. Vous pouvez également voir ma liste de jeux sur Raptor si vous voulez voir, enfin si vous voulez demander un jeu que je possède et qui pourrait vous intéresser en tant que vidéo. Je ne sais pas si cette dernière phrase était bien claire. Enfin bref, peu importe. Si vous connaissez des mods pour ce jeu et que vous voulez les voir également dans une future partie, vous pouvez les proposer, je les essaierai et les testerai. Notamment en ce moment, je suis en train de tester le mode Mass Effect, le mode Star Wars et celui de Stargate. Bref, à plus les amis.